Alors, pas du tout. C'est vraiment une passion qui est venue sur le tard, puisque ça fait réellement que 8 ans que je fais de la photo. Donc non, quand je suis rentré à la BSPP, c'était vraiment pour être pompier de Paris, devenir pompier. Et c'était vraiment une vocation depuis tout petit. Oui, je m'en souviens, c'était sur un accident de circulation dont le bus était rentré dans un pavillon et qui avait enflammé le pavillon. Assez marquant pour une première. Ouais, la conduite du calendrier, la construction, le travail en équipe, sur la réflexion, et vraiment se poser, partir d'une feuille blanche jusqu'à l'élaboration du calendrier en lui-même. L'idée, c'est un jeune qui arrive de Villeneuve-Saint-Georges au niveau du CS. Ce qu'on va faire, on va faire l'inverse. Toi, tu vas te mettre ici, t'as resté pas tôt, tu vas te mettre là, ici, là, toi, tu vas rester là. Okay. Les deux. Avec. Nuit. Focus. J'irai en mouvement. On va dire numérique. Maintenant, je vais te montrer des photos. Tu vas me dire un peu le contexte. Merci. Feu de pavillon, secteur de la Courneuve. On est au cœur de l'action, on est derrière les intervenants. Donc il ne faut pas se mettre en danger, et puis pas eux les mettre non plus en danger, et puis pas les gêner. Une des photos que je préfère, qui fait partie de mes préférées. Ouais. Ouais, une de mes plus belles, je pense. Ouais. Peur physiquement, non, peur pour moi, pas réellement, peur pour mes collègues, ouais, surtout. Ouais, j'avais plus eu peur pour des collègues que pour moi. Ouais. Non, je pense que je changerais, mais vraiment rien du tout.